Allez hop, il est l'heure, faut se dépêcher, j'ai traîné un peu au lit, je vais me préparer puis on se retrouve très vite pour papoter. Ouais, c'est dur, dur ce matin, vous n'imaginez même pas. Je ne vous ai pas pris hier pour me reposer en fait, il n'y a pas eu de repos. Mais bon, on en reparle après. Voici, me revoilà. J'ai carrément zappé de prendre mon appareil photo pour filmer à l'arrêt de bus, comme d'habitude. Ça arrivait quasiment à l'arrêt de bus que j'ai dit oh mince, bon, tant pis. Du coup, hier, je vous avais dit pas de vlog parce que je comptais me reposer en fait. Comment vous dire que je ne me suis pas du tout reposée, tout simplement parce que je suis rentrée, j'ai fait mon montage de mon album photo, de mon tuto 70, numéro 10. 74.10, voilà, je vais y arriver. Ensuite, on est allé à Action avec Lana. J'ai pas trouvé les. J'ai trouvé une des trois boîtes que je voulais à tiroir. Faudrait que je vaille pour en retrouver une autre. Donc, on est allé à celui de Gonfreville-Lorcher. Plus grand, plus propre. Enfin, plus propre. Pas cloté sale, mais. C'est plus clair. Enfin, bref. Mieux agencé, on va dire. Ça, et puis après on était chez la mamie à Lulu, et après du coup, comme on était voilà, sur Montibillon, on a décidé de faire d'une pierre deux coups, et on a fait les courses pour l'anniversaire de Lana et les courses de la rentrée scolaire. Donc j'ai quasiment tout ce qu'il faut pour la rentrée à Jojo, mais ce qui fait que du coup on est rentré, il était plus de 4 heures, le temps de ranger les courses, de monter mon vlog, de faire à manger, et en fait je me suis pas du tout reposée, je n'ai pas fait de sieste, donc toujours aussi fatiguée, mais c'est pas grave. Programme du jour, du coup, j'ai fait ma to do ce matin. Alors, je vais juste vérifier un petit truc avant. Voilà, c'est ça. Du coup, donc ma to do d'aujourd'hui. Montage du 74.11. Donc, je vais le mettre là tout de suite à s'optimiser. J'ai trois structures d'albums à faire. Mais bon, comme je n'ai pas encore été payée, c'est pas non plus à la pièce parce que c'est pas long à faire. Donc là, je vais faire les t-shirts. Donc j'ai 6 t-shirts à faire. Je vais faire les t-shirts. Je voudrais voir pour la boîte naissance aussi. Faut que je regarde quelques tutos parce que je n'en ai jamais fait. Pas de comme elle veut en fait. Faire ma compta, répondre aux commentaires. Donc ça, je l'ai fait ce matin. Et donc je peux checker et partager ma vidéo d'hier. Donc voilà, petite to do. Avoir peut-être petite sieste. On verra comment je me sens. Et toi, c'est quoi ta to-do du jour? Je sais pas. Déjà retrouvé mon téléphone. Ah. Il a disparution? Tu veux que je fasse sonner? Ouais. J'ai voulu aller chercher des pains au chocolat, mais ils étaient pas prêts à Louise. Pas prêts. Pas ouverts. Bah en fait, ils étaient en train de cuire. T'aurais pu aller au chaud.
Ils sont pas super super. Attends, je cherche. Mon Jojo, il est où? Il est là. Je l'entends vibrer. Bien évidemment, c'est toujours maman. Bon, allez, du coup, j'attaque ça et puis je vous reprends un peu plus tard pour vous dire où j'en suis. Aïe, re-coucou. Bon, c'est une semaine de merde, moi je me dis. Je viens de sortir mon flex pour faire les 6 t-shirts, sauf que. Alors, normalement, un t-shirt ça rentre dans un quasiment, il y a juste ça en moins. Sauf que je peux en faire que 4 parce qu'après il me reste que ça. Donc du coup je suis en train d'essayer de négocier pour essayer de enfin machiner, ça se dit pas Marik. De voir là je pourrais faire deux phrases pour 6 fois deux phrases en fait. Est-ce que vous m'avez compris? Bref. Je vais essayer de voir comme ça, tant pis, au lieu de faire en un bloc par t-shirt, je vais faire phrase par phrase pour gagner un peu de place. Faut pas que je me plante, que j'ai raté, parce que sinon. C'est la merde. Et là, du coup, je vais voir pour mettre pour en commander parce que du coup, j'en ai plus du tout. C'est la merde. C'est la merde. C'est ouais, une semaine pourrie de merde. Voilà. Et son char béni. Transfert à chaud. Flex chemica. Autre évolution. Hop là, voilà. Et il me fallait. Du blanc. En 30. En prendre 4 mètres. Hop là, avant de valider quoi que ce soit, il faut que je regarde ce qu'il me faut d'autre. Ce que j'ai en noir, rouge, je viens de le recevoir. Hop là, il faut que je regarde ça. Bon, bref. Joyeux bonheur. Ah, je suis dégoûtée là. J'étais persuadée qu'il me restait beaucoup plus de blanc, mais en fin de compte, non. Donc, c'est la merde. De chez la merde. Voilà. Il n'y a pas à dire. Il y a des semaines comme ça. Nous espérons que ce n'est que la semaine. Donc voilà. C'est de ce côté-là. C'est comme ça. Voilà. Allez, moi, je vous reprends tout à l'heure. En espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun. Voilà, déjà je commence à la mettre à l'envers, bien Maric. C'est debout et non couché. Voilà, je commence déjà. Je vous jure. Hop là. Donc j'installe ma feuille. Je fais bien attention à mes réglages parce qu'ils se dérèglent à chaque fois. Hop là, je m'installe donc silhouette. Et hop là, du coup, envoyer transfert à chaud là. Dit que ma caméra est pas disponible. Ah, oh, je suis juste dégoûtée là, franchement. Bref. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic. Time to be free.
Coucou tout le monde. Bon, je suis contente, il est 11h37. Déjà, ça passe trop vite. Mais j'ai réussi à faire mes 6 petits tas pour mes t-shirts. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un peu de place ici, sortir la presse, les t-shirts et à coller. Je suis contente, j'ai réussi, donc je vais pouvoir clôturer, faire ma commande. Franchement, je suis trop contente. Franchement, ouais, c'est juste génial. Je vais changer de compte d'Instagram, voilà. Ouais, je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Ouais. Bon. Franchement, ça me soulage que j'ai tout. Ouais, ça me soulage. Allez, je vous reprends après. Hey, re-coucou. Bon, il est 14h, ça y est. Mes 6 t-shirts sont prêts. J'ai fait les photos, je vais les mettre tout de suite, du coup, en boutique. Hop là, donc ça, c'est fait. Et il ne me reste plus qu'à voir un petit peu par rapport Donc, auprès naissance, je vais y arriver, on ne s'inquiète pas, je vais y arriver, c'est promis. Donc, je vais regarder un petit peu pour le coffret naissance, essayer de le faire un petit peu. Mon montage est fait aussi. Donc, et après, il me restera les trois structures et la compta à faire. Voilà. J'hésite quand même à me coucher un petit peu, mais bon, ce ne serait pas raisonnable. Alors, on continue. Hey, re-coucou, bon, il est 15h55 déjà, ça passe trop vite, mais j'avance doucement mais sûrement. Au niveau des vidéos, c'est ma première boîte de naissance que je fais dans ce style là j'en avais fait une dans un autre sens, mais la personne voulait vraiment debout. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, j'ai pas trouvé de tuto comme je voulais, donc je me suis inspirée de plusieurs tutos, de plusieurs vidéos, et je refais à ma sauce. Alors, j'ai déjà fait les petites boîtes de cette taille là il faudra que je fasse encore des grandes, et parce qu'en fait, du coup, je vous explique, je voudrais deux rangées de trois boîtes. Je voudrais une rangée avec une grande boîte et une avec, donc là ce sera séparé en deux avec deux boîtes en fait. Du coup, donc j'avance doucement mais sûrement. Donc là, j'ai fait ma structure aussi. Normalement, je me suis pas trompée au niveau des dimensions. Je vais pouvoir mettre, hop là, là voilà, je vais pouvoir mettre 4 étages. Ça va être just, Mike. T'avais mieux calculé que ça pourtant. Alors ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts très fort. Hop là. Ouais, ça risque d'être just. On va bien voir. De toute façon, si ça fonctionne pas, je vais faire attention avant de coller. La structure me servira pour un autre album et puis c'est tout. J'aurais peut-être dû faire un peu plus grand du coup, parce que là, j'avais fait 25. Alors, je note mes dimensions. Hop là, ici. Sur Notion. Hop là, je vais rajouter un centimètre. Voilà. Pour si jamais j'ai besoin de le refaire, voilà, au moins j'aurai mes dimensions, je saurai comment j'avais fait. Du coup, je vais bien voir, j'espère que je vais réussir à faire mes quatre étages. Ça va être à voir. Bref, du coup, je continue, j'avance doucement mais sûrement. Il est quasiment 4h, j'ai faim, j'ai envie de goûter, j'ai pas mangé ce midi. J'ai pas pris le temps de manger, c'est pas bien Marie, je sais. Voilà.
Allez, bref, je vous fais des bisous et je reprends après. Hey, recoucou, bon, ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Franchement, ouais, très, très, très satisfaite. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Il est déjà 5h30, Jojo est parti chercher des glaces pour lui et ses copains. Des pains au chocolat pour moi aussi, parce que du coup, j'ai faim. Franchement, ouais, non, très satisfaite de ce que ça donne pour le moment. Maintenant, il me reste encore les étagères à mettre, les petites boîtes aussi. Donc, ouais, non, très, très satisfaite. Normalement, j'ai déjà collé, mais j'espère bien que ma taille, ça ira. Il manquerait plus que ça n'aille pas. Hop. Là. Là. Bon. Hop là, là, là et ah. Hop, voilà, hop là, là, là et du coup, je vais mettre juste là pour que ça tienne. Ah, je suis just. Donc en fait, celui du haut, il va falloir que je la fasse un tout petit poil plus petite. Ouais, il va falloir que je fasse un poil plus petite la boîte. C'est pas grave parce que je veux que ce soit plus un petit tiroir. Vous savez, pour ranger le test de grossesse ou voilà. Donc ce n'est point grave. Je vais juste hop, hop, placer correctement ici. Voilà. Je mets mes boîtes et je vais venir tracer un coup de crayon. Voilà. Et. Bah je colle. Du coup, je regarde toujours Walking. Enfin, j'ai mis Walking Dead. J'avais déjà vu la saison 10. La première partie. Sauf qu'ils l'ont mis en entier apparemment sur Netflix. Donc j'ai remis la saison 10. Et puis voilà, je fais ça tout en scrapant. Donc voilà. Normalement, je la colle ici bien correctement. Hop là. C'est pour ça que j'avais pas fait mes grosses boîtes. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Hop là. Ouais. Je colle, franchement, je suis contente. Je vais poster ça après sur Instagram. Mais ouais, je suis contente. Ça avance, ouais. Qui sait, vous me direz en commentaire si vous voulez ou pas le tuto de ma boîte naissance. Et puis, déjà, on verra si ça vous plaît. Pour le moment, franchement, je suis très très contente de moi. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Allez, tout à l'heure. Hey, recoucou, bon. 8h30, bon, vous voyez, je suis allée dans mon bain, voilà. Je vais ranger un peu mon bureau parce que c'est le bordel, on va pas se le cacher. J'ai tout laissé en plan comme ça au niveau de l'album photo. C'est pas un album photo que je fais, Marie, c'est une boîte. Mais ce n'est pas grave, on te pardonne. Je vais juste, avec ce papier-ci, le foncer, faire mon contour là et puis je vais ranger. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était avec le papier Little Girl de Stamperia. Donc voilà. Hop, j'avais légèrement oublié de mettre du papier de fond à l'intérieur. Donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu ici. Voilà. J'ai vu aussi avec ma cliente ce qu'elle voulait mettre dedans. Donc c'est pour offrir. Il faut juste que je regarde en fait si... donc, il y avait monsieur, je disais. C'est parce que son copain est venu, il a récupéré le t-shirt pour mon client. Un ancien collègue à lui. Faut juste que je regarde si un body ça rentre dedans. Il voulait mon premier body. Mais c'est chaud patate quand même. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait c'est pas une boîte. Voilà. Déjà elle est déjà bien épaisse. A voir. Je regarderai demain. De toute façon, c'est pas au-delà tout de suite que je ferai. Je suis en luck. Mon bain était très très chaud. Je prends des bains bouillants, je change de conversation là. Tout simplement pour délasser mon dos parce que, à force d'être comme ça au bureau, j'ai très très mal au dos. Du coup, j'ai fait l'intérieur. Donc, du coup, voilà, comme je disais, j'ai fait l'intérieur ici. La décoration, je la ferai vraiment en dernier moment parce que je voudrais mettre des choses ici aussi. Pas très épais parce que sinon ça fermera pas. Je pense que je vais noter sur mon. Comment faut faire? Tu veux des boulettes? T'en as eu hier soir aussi? Dis. Bah oui, t'en as eu hier soir. Encore? Puis des croquettes. Ouais, des croquettes dans la gamelle. Ouais. Je vais juste rajouter 1 cm, je pense, au niveau de la tranche, la prochaine fois. Hop là, 8. Voilà. Bah viens.
Ah là, viens pour réclamer à manger. Dis, qu'est-ce que tu veux? Tu vas manger? Tu dis, je veux à manger. Elle me nourrit pas. Oh, je te nourris pas? Dis, ma grosse. Moi, oh. Vas-y doucement. Bon, non, je suis pleine de poils. Donc voilà, je vais donner ses boulettes, enfin son gourmet à Fifi, faire mon contour et puis le reste, toute la déco et tout, on verra ça demain. Je suis contente, franchement je suis contente, j'ai vraiment bien travaillé, j'ai bien avancé. Donc voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vais ranger tout ça. Et puis après je vais aller au dodo, parce que demain on réveille à 5h. Allez, à demain. Bisous.